bienvenue dans notre analyse de la crise du logement au Canada. Alors que vous vous promenez dans les grandes villes canadiennes comme Montréal, vous remarquerez peut-être une abondance de nouvelles constructions et de panneaux à louer. Pourtant, les rapports signalent une pénurie croissante de logements. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette contradiction apparente existe et ce qui se cache derrière cette crise. Notre thèse est que la crise du logement au Canada est exacerbée par un déséquilibre entre l'offre et la demande dans les segments abordables. Ce déséquilibre est aggravé par la spéculation immobilière, l'augmentation exponentielle des coûts de la vie, des défaillances dans les politiques publiques et une politique d'immigration qui continue d'accepter de nouveaux immigrants malgré les insuffisances en matière de logement. Le Canada utilise l'immigration pour répondre à des besoins économiques spécifiques. Les nouveaux arrivants, souvent des travailleurs qualifiés, sont perçus comme une solution aux pénuries de compétences dans certains secteurs. Cependant, cette politique vise à stimuler la croissance économique sans toujours tenir compte des contraintes infrastructurelles, notamment en matière de logement. Il y a un manque de coordination entre les politiques d'immigration et les stratégies de développement urbain. Les villes ciblées pour l'immigration peuvent ne pas avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir de nouveaux arrivants. Cette déconnexion crée une pression supplémentaire sur le marché du logement, exacerbant la pénurie. La spéculation immobilière joue également un rôle crucial. Les investisseurs achètent des propriétés non pour les occuper, mais pour les revendre à des prix plus élevés ou pour générer des revenus locatifs. Cela fait grimper les prix, rendant les logements inaccessibles pour de nombreux résidents, y compris les nouveaux immigrants. Les coûts de la vie, y compris le logement, ont augmenté de manière significative. Cette hausse est un problème non seulement pour les résidents existants, mais aussi pour les nouveaux arrivants qui se trouvent confrontés à des loyers prohibitifs. Cette situation est exacerbée par des augmentations rapides et des salaires stagnants. Les processus bureaucratiques et les réglementations strictes ralentissent la construction de nouveaux logements. Les délais d'approbation et les coûts associés freinent la capacité des villes à répondre rapidement aux besoins croissants en logement, limitant ainsi la capacité d'accueil pour les nouveaux arrivants. En conclusion, la crise du logement au Canada est le résultat d'un déséquilibre complexe entre l'offre et la demande. Tandis que le pays continue d'accueillir de nouveaux immigrants pour stimuler l'économie, le manque de coordination avec les capacités infrastructurelles, les pratiques de spéculation et l'augmentation des coûts de la vie exacerbent la pénurie de logements. Pour résoudre cette crise, il est essentiel de réévaluer les politiques d'immigration, de réguler le marché immobilier et de mettre en œuvre des solutions efficaces pour augmenter l'offre de logements abordables. Merci d'avoir regardé notre analyse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux économiques et sociaux du Canada.